Bonjour à tous. Laure, tu m'entends Oui, je t'entends, Marie-Laure. Super, merci. J'ai perdu Hélène. Alors. Euh, bonjour Sandra. Alors on a Hélène. Enfin, on a un bureau d'Hélène, on n'a pas Hélène. Ouais. Eh ben, je ne sais pas pourquoi. Je ne <laughs> n'arrive pas à affichage. J'arrive. Ouais. Il y a un truc qui est bizarre. Attends, je vais voir euh, Marie-Laure. J'étais dans affichage, non, mais c'est peut-être dans autre. Paramètres. Mais je l'avais déjà, ce décor, et on voyait avant. Je ne sais pas, c'est pas. Un effet. Okay, Appliqué, non? Ah, bizarre. Ben voilà. Il était coupé. Tu peux remettre le bureau derrière si tu veux. Mais là, c'est bon, je suis au bureau. <laughs> Mais c'est bizarre. Là, c'est bon. Là, Oui, puisque c'était pas allumé. <laughs> Pardon. Que... Heureusement que je t'ai, hein, Marie-Laure et Laure. Hein. <laughs> je vous ai. <laughs> bon, ça bon. arrive. Ça va, ça sera la session qui sera coupée. <rire> <rire> On va attendre que tous les intervenants soient là déjà. Et bonjour à tout le monde déjà. Bonjour, Justine. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Je disais tout à l'heure que nous allons attendre un petit peu le temps que tout le monde se, se connecte. อ <laughs> Encore une petite minute et voilà, on va pouvoir euh, commencer. Eh bien écoutez, euh, bienvenue à ce webinaire euh, qui est consacré à l'adaptation au changement euh, climatique, un sujet qui n'est... Pas simple, mais très important de, de traiter et dont les ALEC, certaines ALEC travaillent déjà euh, euh, dessus. Je pense à, bien sûr, l'Agence parisienne du climat, l'APC, mais aussi en Environnement et certainement d'autres. Euh, nous allons pouvoir euh, commencer par... Euh, euh, avec nos intervenants. Alors, nous aurons euh, Sandra Gariou de l'AREC, qui est vraiment en charge des projets plan climat adaptation euh, à l'Institut Paris Région, AREC, et euh, qui va euh, vraiment nous, nous dire de quoi il s'agit, de quoi on traite quand on parle d'adaptation au changement climatique, euh, bien sûr, les effets que cela euh, peut avoir et les vulnérabilités. Et ensuite, nous aurons l'intervention de Daniel Richard, donc qui lui est vraiment en charge responsable des projets climat et qui s'occupe du PRAC, donc le plan régional sur l'adaptation au changement climatique, et qui nous parlera des, à la fois des axes de ce plan, mais des leviers hein, et des dispositifs régionaux. Et pour finir, nous aurons le témoignage de Justine Bichon, qui est chef de projet à Adaptaville, donc pour l'Agence parisienne du climat, et qui nous présentera bien sûr la plateforme, les objectifs de cette plateforme, à qui cela s'adresse et comment les, les ALEC peuvent alimenter par les actions cette plateforme. Donc, sans tarder, euh, euh, Marie-Laure et moi euh, sommes à votre disposition, mais euh, vous pourrez euh, poser les questions à la fin de chaque intervention et bien sûr dans le chat, mais nous vous invitons, comme nous ne sommes pas nombreux, à pouvoir le faire euh, oralement. Donc, je passe la parole sans tarder à Sandra Garigou. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Hélène, merci Marie-Laure. Euh, alors, je vais partager euh, mon écran. Deux petites secondes. Euh, Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez bien? C'est okay, OK? Oui, c'est oui. parfait. C'est bien. D'accord. Merci. Alors... Euh, ce que je vous propose euh, au cours de mon intervention, c'est de revenir sur une première partie qui permet de revenir euh, sur les notions, euh, les concepts qui sont associés à l'adaptation au changement climatique et également de euh, revenir sur euh, quels effets on peut observer euh, en Ile-de-France euh, par rapport euh, aux impacts du, du changement euh, climatique. Et puis, dans un second temps, on pourra revenir aussi sur euh, les solutions qui sont. Euh, euh, déployés, qui sont à déployer pour, pour pouvoir y faire face. Alors, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, on a toujours un peu coutume de proposer cette euh, diapositive un peu macro, qui sont également euh, des, points de des points de repère qui nous semblent importants. Euh, donc, on s'est vraiment basé sur euh, euh, la connaissance qui a été rassemblée dans les cadres des travaux du GIEC, hein, pour pouvoir euh, voilà, vous proposer euh, ces éléments. Et on s'est basé sur le dernier rapport, le, der le dernier cycle d'évaluation euh, euh, des scientifiques du GIEC, du GIEC qui euh, confirme l'élévation de la température moyenne par rapport à la période 1850-1900 avec un accroissement de 1 degré 1. Euh, Ils expliquent que, euh, que, que l'homme, les activités humaines sont, euh, sont, euh, génèrent effectivement ce, ce réchauffement climatique et que le seuil des 1 degré 1 pourrait être atteint plus tôt que prévu autour de 2030. Donc, les, euh, les activités humaines expliquent cette élévation de la température en moyenne. Et ce qui est intéressant dans le cadre du rapport, c'est qu'il y a différents scénarios euh, climatiques qui ont été, euh, qui ont été euh, travaillés, euh, étudiés qui sont représentés euh, ici, et vous avez euh, les scénarios 1.9 et 2.6 qui correspondent aux accords euh, de Paris pour rester euh, sur le, euh, en dessous euh, des deux degrés, et puis euh, vous voyez des scénarios, on va dire, plus euh, intermédiaires et plus euh, pessimistes, ou qui correspondent donc à, une, à des politiques euh, peu ambitieuses, des politiques climatiques peu ambitieuses au niveau mondial et, et, qui, euh, et qui, du coup, euh, se traduisent par une évaluation importante de la température qui pourrait être proche des 5 degrés d'ici la fin de ce siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il... Euh, par rapport à ce graphique sur le, le volet droit, ils expriment aussi euh, les impacts auxquels on peut euh, s'attendre en ayant défini cinq grandes familles de préoccupations. On pourrait le, le traduire comme ça. Par exemple, vous avez euh, le, groupe, euh, le groupe 2 qui correspond à la survenance des vêtements euh, climatiques extrêmes. Et on comprend bien que plus on est dans des scénarios euh, pessimistes hein, sur, euh, euh, sur les émissions de gaz à effet de serre, et bien plus le risque, plus les impacts attendus seront. Euh, seront importants, euh, plus fréquents, avec euh, une probabilité qui sur, avec euh, une, un degré de confiance dans la survenance de ces de ces événements qui sont assez assez élevés, représentés par les points sur le côté. Vous expliquez aussi peut-être partager avec vous une réflexion, c'est que y compris dans l'intervalle des objectifs de l'accord de Paris, on peut être sur des amplitudes qui sont assez importantes. Euh, par exemple, les scientifiques du GIEC euh, explique que euh, euh, bah, si on arrive à rester à 1,5 degré, 5, on pourrait éviter que plus de 400 millions d'individus sur la planète subissent des vagues de chaleur euh, extrêmes. Et donc, on voit que chaque fraction de réchauffement euh, compte. Et c'est pour ça que l'on dit que le problème climat, c'est vraiment des réponses combinées, à la fois sur l'atténuation, toujours plus d'ambition, toujours euh, euh, maintenir euh, les efforts pour euh, mener des politiques euh, d'atténuation, chacun y contribue, euh, et puis en même temps euh, mener des politiques d'adaptation, puisqu'on constate déjà euh, des effets euh, du changement climatique sur, euh, sur les territoires. Euh, le GIEC. A également euh, proposé des, euh, euh, des présentations par euh, grandes zones géographiques. Et, et euh, par exemple, pour l'Europe, euh, ils ont euh, précisé quels étaient les grands, euh, les grands enjeux qui pouvaient euh, concerner cette, euh, cette zone géographique. Et on retrouve la question de la ressource en eau, euh, du bien-être, de la santé, de la, la question des impacts sanitaires liés aux vagues de chaleur, les sécheresses et des inondations. Euh, il y a déjà plus de 3 milliards d'individus qui sont hautement vulnérables au changement climatique et on est déjà dans des changements qui sont irréversibles. Euh, on atteste effectivement les, euh, les observations qui sont, euh, qui sont menées pour, pour les, les, les océans par rapport euh, à l'élévation du niveau de la mer et par rapport euh, au réchauffement qui est déjà euh, observé. Un autre message aussi, c'est... Euh, euh, L'idée de rester dans les limites des capacités à faire face, et encore une fois, euh, le problème climat, c'est vraiment l'articulation de, ces, euh, de ces deux euh, stratégies. On va voir un peu, plus, un peu plus loin dans la présentation, on parle de, de solutions fondées sur la nature, mais euh, il y a quelques, quelques écrits qui disent « oui, mais attention, un réchauffement plus 2, plus 3, plus 3 degrés, ça a aussi des impacts sur le bon fonctionnement des écosystèmes, et ça peut aussi requestionner euh, l'efficacité de, euh, de ces solutions ». Euh, D'autres points de repère, également extraits hein, des rapports euh, du GIEC. Une, donc, une définition de l'adaptation, c'est une démarche d'ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu'à ses conséquences. Euh, donc, on est sur un, un processus, euh, une démarche qui prend aussi du temps, euh, qui s'exprime par des phases relativement classiques, hein, finalement, de diagnostic, de stratégie et d'élaboration euh, d'un plan d'action. Et finalement, la première étape, c'est de comprendre bah, quelles sont les, euh, les vulnérabilités auxquelles le territoire ou une organisation euh, doit faire face. Et Pour pouvoir euh, réaliser cette, cette analyse de vulnérabilité, eh bien, il y a trois composantes qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont en jeu. La première, bah, c'est déjà de comprendre à quel aléa climatique euh, on peut être amené à être, euh, à être exposé euh, c'est comprendre effectivement l'exposition et la sensibilité qui sont euh, associées à la survenance de cet aléa. Et puis, c'est de déterminer, de, de savoir si on a déjà mis en place des politiques ou des actions qui permettent justement d'y faire face. Donc, si on a déployé des, des capacités d'adaptation. Et c'est vraiment l'ensemble de ces trois éléments qui va bah, permettre de, de comprendre quel est finalement notre degré de vulnérabilité par rapport à un événement climatique. Un autre message, c'est euh, autant que possible être dans une approche concertée ou co-construite euh, dès le démarrage de ce processus. Euh, dans les phases de, de diagnostic, finalement, vous allez construire une vision partagée des enjeux vous allez construire une vision des, euh, de la perception des risques que chaque acteur va avoir sur, sur le territoire. Et puis, euh, finalement, c'est aussi de se dire, euh, de se réquestionner sur, sur ce à quoi l'on tient. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir associer le démarrage, euh, les acteurs sur, sur ce travail d'adaptation et, euh, et par la suite, effectivement, de, de travailler avec eux sur, euh, sur les solutions euh, à, à déployer. Alors, ayant dit euh, ces quelques éléments euh, points de repère euh, un peu macro, on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe en île de france Et euh, ce sont des éléments que vous pourrez retrouver euh, dans l'étude des euh, vulnérabilités aux effets du changement climatique qui a été euh, conduite l'année dernière et qui a participé euh, aux travaux euh, du, euh, du PRAC que euh, Daniel vous présentera euh, tout à l'heure. Première étape, finalement, c'était de comprendre euh, bah, quelles sont les tendances du, euh, du climat euh, francilien. Et pour ce faire, on a rassemblé bah, la connaissance qui était euh, mobilisable euh, à l'aide des travaux euh, du grec euh, francilien, euh, à l'aide des euh, portails mis en place par Météo France, notamment le portail de Drias, qui donne des informations sur euh, des projections euh, climatiques les enseignements de cette étude confirment finalement ce qui avait déjà été euh, euh, identifié dès 2012 par, par la région île-de-france, qui avait conduit une première étude de, de vulnérabilité. Sur, les, sur le volet aléa climatique, vous avez deux, euh, deux, deux volets à considérer. Vous avez d'une part le volet euh, euh, sur les évolutions tendentielles. Donc, euh, on va s'intéresser par exemple à des paramètres qui vont être liés à l'élévation de la température moyenne. L'île de France euh, se réchauffe euh, d'environ 2 degrés depuis euh, le milieu du XXe du siècle. Que si on ne s'inscrit pas dans une politique climatique ambitieuse au niveau mondial, bah ce réchauffement pourrait atteindre 4 degrés d'ici la fin de ce siècle. Et puis, on observe également que depuis depuis plusieurs années, il y a une diminution du nombre de jours de gel. On verra que cela aura des conséquences sur les écosystèmes. Et puis, une augmentation progressive du nombre de jours chauds. Sur les précipitations, on est plus sur des des, des contrastes peut-être un peu plus léger entre guillemets par sur ce qui a été observé avec euh, moins de précipitations en été, plus de pré précipitations euh, euh, en hiver, et puis un, un, un assèchement euh, des sols qui... Euh, qui devrait se poursuivre et qui a déjà été observé. Là, on est sur les évolutions tendancielles. Et puis, vous avez ce qu'on qu appelle les extrêmes climatiques. Et donc, là, on va revenir sur la question des vagues de chaleur. Donc, depuis 2013, on a observé cette année à canicule. Et donc, cet événement devrait être plus fréquent, plus intense, si le réchauffement global dépasse les 2 degrés. Euh, de la même manière que ce qui est observé pour le nombre de jours de gel, eh bien, les vagues de froid devraient euh, sont en régression et ce, cette tendance devrait euh, se poursuivre. Et puis on est sur, euh, on, on, même s'il n'y a pas eu forcément d'évolution euh, marquée, mais on s'attend vraiment à euh, un accroissement euh, des sécheresses de tous types euh, en été, et on en a déjà vécu, euh, donc des sécheresses météorologiques, agroécologiques et euh, hydrologiques. Et puis, euh, on sera aussi sur, euh, sur une, une augmentation de l'intensité des précipitations euh, extrêmes. Euh, vous avez, euh, on pourrait dire que ça, ça sera un théorème, mais pour chaque degré de réchauffement, il y a en gros 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Et donc, cette eau qui a bah, du coup vocation à être redistribuée et, euh, et pouvant se matérialiser par ces pluies, euh, par ces pluies euh, intenses. Une autre manière euh, d'illustrer justement euh, l'évolution euh, des aléas climatiques, euh, c'est euh, à l'appui de euh, représentations cartographiques. Et là, vous avez un exemple qui est euh, sur le nombre de jours euh, de vagues de chaleur. Donc, euh, et, et dont la source, c'est euh, le portail Le Drias. Donc euh, vous avez euh, à chaque fois la période de référence euh, 1976 et 2005 et en moyenne par an euh, le nombre de jours de vagues de chaleur euh, en Île-de-France euh, s'échelonne on va dire entre 6 euh, et euh, 9 jours euh, et 9 jours par an. Euh, lorsque vous, vous, vous regardez les projections et que vous considérez par exemple un scénario euh, 4.5, le scénario intermédiaire, et puis un scénario euh, plus euh, pessimiste, 8.5, vous voyez qu'à différents horizons temporels, horizon moyen, horizon lointain, mais déjà le horizon moyen, on est sur euh, une multiplication du nombre de jours de vagues de chaleur qui, qui, qui est de l'ordre de 3, voire de 4, selon euh, l'horizon dans lequel on se situe. Ça peut être déjà un premier euh, des premiers questionnements, c'est de se dire comment un territoire absorbe des temporalités, enfin des événements euh, plus longs euh, et, et, et plus intenses. Et puis l'autre questionnement, c'est aussi comment un territoire peut faire face à des aléas qui peuvent être aussi euh, concomitants, euh, notamment euh, on l'a vécu, euh, vagues de chaleur concomitant avec euh, une crise euh, une crise euh, liée, euh, liée à la sécheresse. Alors. Ce graphique il est intéressant parce que vraiment en synthèse il permet vraiment de résumer bah, les constats, les observations qui ont été faites de 1950 à 2020 pour, pour l'Île-de-France, et puis il vous donne des éléments sur bah, ce à quoi on peut s'attendre dans les dans les années à venir par rapport à ces différents paramètres climatiques. Euh, avoir la connaissance des aléas climatiques, c'est un point de départ, mais ça ne suffit pas à, à déterminer euh, dans quelle mesure on va être vulnérable ou non, euh, ou à déterminer euh, quels sont, euh, quels sont euh, les impacts associés sur les territoires. Et donc ça, c'est l'étape euh, suivante, comprendre quelle est l'exposition et la sensibilité par rapport à ces événements climatiques. Euh, toujours dans le cadre de l'étude régionale, vous avez... Euh, on a repris finalement euh, les paramètres climatiques euh, suivants euh, qui sont euh, vraiment euh, déterminants pour, euh, pour la région. Et on a essayé, on a traduit comment il pouvait être, euh, euh, comment il se traduisait en termes d'enjeux et d'impact selon trois grandes familles finalement euh, d'enjeux. Vous avez euh, euh, un, premier, un, premier grand, euh, un premier grand chapitre qui traite de la santé et du cadre de vie euh, des Franciliens. Euh, un deuxième chapitre qui est lié euh, aux écosystèmes et aux ressources naturelles, notamment de la question de l'eau. Et puis, euh, vous avez euh, un dernier chapitre qui permet d'aborder la question des activités économiques et des grands euh, services euh, collectifs. Alors, peut-être pour vous donner quelques éléments un peu co plus concrets, justement, qui matérialisent ces, ces grandes familles d'enjeux, euh, on vous propose euh, ici quelques, quelques, faits, quelques faits marquants. Sur le volet euh, santé euh, et cadre de vie, eh bien, euh, nous avons en mémoire euh, la, la canicule de 2003 où il y a eu, il y a eu en, en, en Ile-de-France malheureusement 5000 décès euh, euh, de, de il y a eu, euh, 5000 décès, décès en excès, donc une, une surmortalité euh, vraiment euh, très importante. Euh, Aujourd'hui, on… On a aussi comme enseignement qu'un francilien sur deux réside dans un quartier soumis à un effet moyen-fort d'îlot de chaleur urbain. Et donc, ça, c'est euh, vraiment une problématique euh, des villes, puisque on, voilà, ça va se traduire aussi par des impacts sanitaires euh, importants. Et puis, toujours dans cette catégorie euh, liée à la santé de vie et au cadre de vie des franciliens, vous avez aussi euh, un autre volet qui est celle du retrait gonflement des argiles où là, cette fois, on s'interroge, euh, on re questionne finalement le, le cadre ba, de, bâti. Et ça, c'est vraiment un enjeu fort pour, pour l'Île-de-France. C'est un enjeu qui est relativement euh, diffus. Et vous avez euh, plus de 300 000 maisons de plein pied qui sont dans une zone d'aléas moyen fort. Et, euh, et donc, avec des problématiques économiques, de, 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 de capacité euh, à recouvrir effectivement euh, les, euh, les sinistres et puis également euh, euh, des, euh, des traumas psychologiques quand euh, les, euh, les personnes voient leur habitat ou leur patrimoine euh, dégradé. Euh, on, est, on est beaucoup sur les, les, la question de la santé euh, physique, mais ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que le changement climatique a des impacts très forts aussi sur la santé, euh, la santé euh, mentale. Il y a beaucoup d'écrits aussi, un certain nombre d'écrits qui, qui traitent cet aspect-là, et notamment le lien entre vagues de chaleur, dépression et, 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 et qualité de vie qui, 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 est remis, qui est remis en avant. Vous avez le deuxième enjeu que j'évoquais tout à l'heure, qui est celui de la biodiversité et des écosystèmes. Euh, il est vrai que euh, la biodiversité euh, euh, doit s'adapter à ces nouvelles conditions, à ce changement climatique, et dans des pas de temps qui n'ont jamais été observés euh, auparavant, donc à une vitesse que les, les écosystèmes finalement ne peuvent, euh, ne peuvent absorber, sachant qu'il y a déjà une crise euh, de la biodiversité qui, qui est observée, qui est liée aussi aux aux pressions anthropiques euh, qui est déjà subie par ces, par ces écosystèmes, notamment par la fragmentation euh, des milieux, pour citer, euh, pour citer euh, un exemple. Euh, le changement climatique, comme on, est, on va être par exemple sur des, euh, une, des températures euh, moyennes qui vont, euh, vont s'élever, on va être sur des hivers euh, plus doux, on va être sur des écosystèmes qui ne se euh, reposent pas, euh, qui ont du mal à se régénérer. On va être sur des, euh, certaines espèces qui euh, vont se déplacer, euh, qui vont trouver de meilleures conditions, et d'autres, ils ne seront pas en capacité de se déplacer, qui risquent de disparaître. C'est le cas d'une espèce de sauterelle en, en Ile-de-France qui, qui n'a pas les capacités d'évoluer vers le nord et qui est en, en train de. Euh, de disparaître. Euh, on va être sur une modification des aires de répartition avec l'arrivée de, bah, de nouvelles espèces, notamment euh, euh, des parasites. Alors, euh, on, on a l'exemple de la chenille processionnaire du pin qui est très bien installée en Île-de-France puisqu'elle occupe la moitié de la surface francilienne. Vous avez des pathogènes comme l'encre des châtaigniers qui va littéralement faire mourir la forêt. Les châtaigniers en Ile-de-France, on est vraiment sur des dépérissements très importants. Et puis, on va être sur des, des milieux qui vont aussi subir des extrêmes climatiques, stress hydrique, stress thermique. Et on va avoir la problématique des feux de forêt qui peut être amenée à progresser dans l'avenir. Euh, un autre vecteur que je n'ai pas mentionné, c'est celui du euh, euh, moustique-tigre qui porte en lui aussi euh, certaines maladies et qui est, euh, est lui-même installé euh, euh, en Ile-de-France. Euh, et puis, sur euh, la, la dernière euh, grande famille euh, d'enjeux hein, qui est liée aux activités économiques et aux grands services collectifs, bah, il faut savoir que euh, pour. Euh, dans le cadre du travail, eh bien, euh, lors d'événements de, de vagues de chaleur ou de canicules, on peut observer des productivités des travailleurs, y compris pour des métiers qui n'ont pas forcément besoin de, 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 de s'appuyer sur des capacités physiques importantes, etc. Dans les métiers de bureau, on peut, on peut observer des conditions de travail qui peuvent être détériorées. Et euh, vous imaginez pour les métiers exposés comme dans le BTP, où, où là, vraiment, la question est, est vraiment cruciale. Euh, il y a effectivement des problématiques euh, liées au réseau, euh, réseau d'énergie, euh, réseau de transport. Alors, on, on pense euh, notamment à la question de la, la déformation euh, des rails. Et il y a eu euh, notamment une interruption de la circulation du RERD pendant trois semaines. Et donc, en termes d'effets domino, qu'est-ce que cela peut, peut générer en termes de, euh, de vie sociale, de vie économique, le temps de, de revenir à la normale aussi Ça, c'est des questions que l'on euh, que peut, euh, que peut avoir. Euh, J'ai oublié un dernier élément sur, euh, pardon, sur la biodiversité et les ressources naturelles. Il y a la question de l'eau qui est vraiment euh, cruciale, puisque dans certaines projections, on va observer une baisse de recharge des nappes de 30% d'ici 2100. Quand on voit aujourd'hui des problématiques liées à la, à la manière dont l'eau est utilisée, à, à, à l'usage qui en effet, à la manière dont elle est répartie entre les différents secteurs, on, on voit que c'est des problématiques qui sont, qui sont sous tension. Un autre événement, un autre point marquant aussi qui sont liés aux inondations, donc vous avez deux deux typologies d'inondations en Ile-de-France. Vous avez les inondations par, euh, par débordement, donc le, 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 la Seine, un risque naturel majeur et, et tous les travaux qui sont menés par rapport aussi à la crue centenale et la manière dont on peut s'y pré prévenir. Et puis vous avez effectivement les inondations par ruissellement qui sont liées euh, en partie à la minéralisation des sols et qui sont liées effectivement à des événements euh, de pluie extrêmes, intenses sur des. des des très 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 courtes périodes de temps et on a l'image par exemple de métro euh, et de rues euh, inondées et donc euh, ce qu'on a observé c'est qu'entre 2013 et 2020 deux tiers des arrêtés de catastrophes naturelles sont liés euh, aux inondations euh, par euh, par ruissellement donc là, voilà, ce sont quelques, quelques éléments qui permettent justement d'illustrer, vous voyez, ces trois grandes familles d'enjeux. Et je vous invite vraiment à, à, à prendre connaissance de l'étude francilienne pour, euh, pour avoir plus d'éléments, de détails et d'explications sur, sur ces différents aspects. Je me permets juste de dire un mot sur l'îlot de chaleur urbain, euh, puisque c'est euh, vraiment un, un enjeu prégnant, un enjeu majeur pour. Euh, pour, pour les villes pour 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 l'Île-de-France et euh, voilà peut-être vous rappeler finalement les facteurs qui vont euh, générer euh et qui vont favoriser la surmenance de ce phénomène. Et c'est vraiment lié euh, à, à la ville et à la manière dont la ville est, euh, est conçue, aux matériaux qui sont utilisés, à la, à la, à la circulation d'air qui est possible, ou au contraire euh, au piégeage de la chaleur avec les fameuses rues canyons, au fait qu'il y ait des sources anthropiques euh, de chaleur qui sont liées notamment à la circulation, et au fait qu'il y ait plus ou moins de présence de végétation qui peut justement euh, modérer euh, ce, ce, fait, ce phénomène. Et donc euh, les phénomènes d'îlot de chaleur urbain vont, vont, vont aggraver effectivement les vagues de chaleur et ça va être particulièrement problématique la nuit, puisque c'est la nuit où les, les organismes peuvent se, se, se reposer et se, et se, et se, et se régénérer. Et, donc, et notamment un indicateur que l'on suit, un paramètre climatique que l'on peut suivre, c'est les nuits tropicales, on appelle ça comme ça les nuits tropicales, c'est-à-dire des nuits où la température est supérieure à, à, à 20 degrés. Et donc c'est là où on a vraiment ces, ces problématiques sanitaires. Vous avez ici une cartographie qui exprime finalement euh, les enjeux euh, euh, franciliens, notamment le cœur, le cœur d'agglomération. Et si on revient aux, 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 aux éléments que je vous ai présentés tout à l'heure en vous disant, ben, quand on parle de vulnérabilité, on met en. En articulation trois composantes l'aléa la sensibilité la difficulté à faire face bah, typiquement cette carte traduit justement euh, c'est euh, la vulnérabilité qui est liée justement euh, à l'effet d'îlot de chaleur urbain non seulement on, on, voilà on s'intéresse à l'aléa euh, qui est liée aux vagues de chaleur qui est lié à l'îlot de chaleur urbain donc, euh, en travaillant sur des zones climatiques locales, mais on va aussi mettre en concordance d'autres indicateurs qui vont, à l'échelle d'un îlot, nous donner des informations sur la sensibilité euh, de la population, par exemple par rapport à, euh, à l'âge qui vont nous donner des euh, euh, des éléments sur euh, sur euh, voilà sur la densité de cet îlot etc et puis on va avoir euh, la partie euh, difficulté à faire face où on va avoir d'autres indicateurs qui vont nous donner des renseignements sur euh, euh, quel est euh, le, le le niveau de revenu euh, est-ce que on a accès à un médecin généraliste est-ce que euh, on a accès à des espaces verts pour pouvoir euh, euh, se rafraîchir entre guillemets euh, la nuit donc c'est la concordance de ces trois qui va justement déterminer un degré de vulnérabilité qui est représenté sur sur cette cartographie. Euh, D'autres éléments qui nous semblaient vraiment intéressants de partager avec vous, c'est que quand on quand on quand il y a un événement climatique qui survient sur le territoire, alors par exemple le, le cas des vagues de chaleur, on se rend compte qu'on va avoir des effets systémiques. Alors Souvent, on dit vagues de chaleur, euh, risque de surmortalité humaine, mais on, on l'a un peu évoqué, on se rend compte qu'il va y avoir d'autres composantes, d'autres effets qui vont être en jeu euh, la question du travail, des conditions de travail. Euh, la, la continuité des activités économiques, euh, la question des, euh, des tensions que, qui pourront être observées sur les services de santé pour faire face à ces événements, la question de la dégradation des réseaux d'infrastructures, des, des tensions sur les réseaux euh, euh, d'eau et d'énergie, des écosystèmes qui vont être... De nouveau fragilisé ou affaibli par rapport à la survenance de cet événement. Et puis, euh, je le disais tout à l'heure, le risque d'avoir des, des effets combinés avec des, euh, des périodes de sécheresse et une dégradation de la qualité de l'air. Donc, il y a un peu cette idée de dire que dans l'adaptation au changement climatique, quand il y a un événement qui se produit, eh bien, il faut. Il faut essayer de comprendre quels vont être l'ensemble des effets euh, qui vont aussi euh, se répondre les uns aux autres et qui vont du coup euh, accentuer euh, des vulnérabilités sur, euh, sur le territoire. Euh, une, autre, euh, une autre illustration, c'est celle euh, des services collectifs. Alors là, vous avez la représentation de territoires qui sont euh, impactés euh, par euh, des inondations. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous avez les zones bah, qui ont les pieds dans l'eau, hein, concrètement, avec la question de savoir si on a des, euh, euh, des, euh, des, euh, des, des, des services à enjeu, des, des hôpitaux, des EHPAD, etc., qui sont concernés par ces zones-là. Mais on se rend compte qu'il va y avoir d'autres zones qui vont être impactées par ces inondations, même si euh, elles n'ont pas les pieds dans l'eau, parce qu'il va y avoir une dégradation euh, du service d'énergie, euh, de, de réseau électrique. Euh, Va, il risque d'avoir des coupures au-delà de la zone du sinistre et nous, on est vraiment sur des effets de effets millions. Alors, ayant, dit, ayant dressé un portrait qui n'est pas forcément toujours facile à, à entendre, c'est aussi de se dire bah, il, existe, il existe des solutions d'adaptation au changement climatique et, et les territoires se mettent en ordre de marche pour les organiser. Euh, alors, encore un petit, alors encore un peu, euh, approche un peu théorique, un peu conceptuelle. Dans les, quand on parle de solutions d'adaptation au changement climatique, finalement, il y a plusieurs formes euh, d'adaptation. On peut être sur des adaptations, on va dire, incrémentales, qui ne vont pas forcément euh, modifier euh, le système. L'idée, c'est de revenir à la normale, de conserver la manière dont le système fonctionne à un moment donné. Et puis on peut être sur des adaptations entre guillemets transformationnelles, c'est se dire bah, peut-être qu'il faut euh, bah, transformer ce entre guillemets notre système, notre manière de faire pour pouvoir faire face à des événements plus, plus intenses à l'avenir. Alors concrètement, pour pouvoir se projeter dans, ces, dans cette approche un peu conceptuelle, vous avez un schéma qui a été publié dans le rapport du Haut Conseil pour le Climat qui, qui montre bien justement cette graduation où vous êtes à la fois sur des, des réponses qui sont plus dans la réaction. On commence un peu à, se, à anticiper. Et puis, vous êtes sur euh, une approche un peu plus incrémentale. Alors, par exemple, est-ce que dans les maisons de retraite, euh, voilà, on peut mettre en place une pièce euh, où, euh, qui sera plus, plus rafraîchie enfin, quel, Quels éléments on peut mettre en place pour commencer à y faire face plus et, plus, et après, on va plus sur des transformations structurelles c'est de se dire bah, comment on pense la ville, comment on aménage, on réhabilite, euh, comment on revoit nos pratiques, nos comportements pour euh, faire face justement justement euh, à, ces, euh, à cet événement euh, vague vague de chaleur. L'un ne se pose pas à l'autre. Euh, on a besoin aussi d'adaptation incrémentales qui nous prépare aussi justement à des approches plus, euh, plus transformationnelles. Et vous avez vraiment l'exemple aussi sur le, sur le littoral pour faire face à l'érosion. Euh, cette idée de dire ben, on maintient euh, nos habitats, euh, nos activités euh, malgré euh, ce, ce risque très prégnant, on peut peut-être les maintenir, mais on se prépare aussi à relocaliser ces activités, ces, 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 ces habitations. Donc on est sur une approche plus transformationnelle. On peut combiner les deux pour pouvoir, euh, pour pour pouvoir faire face à ces événements. Euh, L'adaptation, euh, ben, en effet, euh, on, on peut la porter au travers des exercices de planification et, euh, et en premier lieu, vous avez la démarche plan climat, plan climat air-énergie territoriale qui permet justement de porter euh, ces différentes phases de, de, de diagnostic, de construire une stratégie, de porter des actions sur... Euh, sur le volet adaptation, euh, une, euh, une démarche PSAUT qui a vocation à s'articuler avec les documents d'aménagement et d'urbanisme et qui est inscrite par la loi et quelque part, c'est vrai que le plan climat peut se traduire d'un point de vue opérationnel par les outils d'aménagement et d'urbanisme. Mais finalement, le plan climat est la vocation à dialoguer avec différentes politiques publiques, que ce soit dans les réflexions sur les schémas directeurs, sur le patrimoine de la collectivité, qui, qui, des établissements qui reçoivent du public, ça peut être dans le cadre de la santé, des contrats locaux de, de santé et le PLH notamment. Donc, il y a vraiment cette idée de de pouvoir être transversal et de s'articuler avec les différentes politiques publiques et de se dire que de toute l'adaptation, il y a un enjeu au niveau intercommunal puisqu'il y a plusieurs politiques qui convergent à cette échelle-là, mais elle est opérationnelle à tous les niveaux, que ce soit du communal au niveau national puisqu'au niveau national, il y a aussi de grands équipements et de grandes infrastructures qui sont, qui sont portées par cette, par cette échelle-là. Alors, quelles sont les typologies de solutions c'est une manière aussi hein, de catégoriser euh, les solutions d'adaptation au changement climatique. Vous avez les, euh, ce qu'on appelle les actions douces, qui sont, on va dire, plus, entre guillemets, matérielles. C'est justement tout ce qui va jouer sur euh, la planification, euh, qui va euh, être sur euh, l'organisation de formation, qui va être sur la mise en place de, euh, de systèmes d'alerte ou qui va euh, réfléchir au mode de gouvernance, justement, pour euh, intégrer euh, cette, euh, cet aspect-là. On va être sur des actions euh, vertes ou plutôt des solutions d'adaptation fondées sur la nature, donc comment s'appuyer sur la nature pour rafraîchir les villes et limiter les inondations. Et puis les actions grises entre guillemets, on est vraiment dans le dur. Euh, vous êtes euh, alors, ça peut se traduire par le fait de mettre en place des digues pour faire face à des, euh, à des inondations, mais ça se traduit aussi dans le cadre des opérations énergétiques où la question du confort d'été peut être peut être questionnée. Vous avez quelques exemples qui sont disponibles dans le recueil de bonnes pratiques que nous avons eu l'occasion de produire avec l'Ademe et la et la MIF et qui est sorti l'année dernière, mais je, je vous en parlerai tout à l'heure. Juste un mot pour vous dire que qu'on euh, a pu réaliser une analyse des actions euh, euh, d'adaptation qui ont été euh, portées par les PCAET adoptées au 31 décembre 2021 et euh, on, on a le sentiment que l'adaptation, elle est encore peu diffusée dans les plans climat puisque en termes de volume d'action, on est sur à peine 16% d'actions qui. qui, qui qui, sont, qui font le lien justement avec l'adaptation au changement climatique. Alors il y a peut-être peu d'actions, mais ça peut, être, ça peut être aussi des actions qui sont euh, structurantes. Ces actions d'adaptation sont essentiellement des actions douces et donc on va être beaucoup sur les liens entre par exemple plan climat et euh, documents euh, d'aménagement et d'urbanisme, PLUI, comment intégrer euh, des critères dans les PLUI, euh, à travailler sur des chartes ou des référentiels pour un aménagement euh, durable des quartiers, etc. Donc là, vous avez un peu euh, euh, les familles d'actions qui sont associées aux actions euh, d'adaptation. Euh, et l'idée, c'est vraiment de continuer à. À monter en puissance euh, l'adaptation dans les plans climat. Euh, en relisant quelques, les derniers plans climat, euh, vous avez parfois euh, des actions qui portent sur l'habitat et la rénovation énergétique et qui ne font pas le lien encore aujourd'hui avec l'adaptation au changement climatique. Donc, il y a vraiment cet enjeu d'être sur cette approche globale, à atténuation, à adaptation et vraiment de. de de, de faire ces liens et de euh, et de vraiment intégrer l'adaptation dans des opérations qui ont euh, qui, qui ont vocation à se à être euh, à se dérouler sur des euh, des, des dizaines d'années sur, euh, sur le territoire. Un mot pour, euh, alors c'est un schéma euh, sur lequel on a travaillé. C'est vraiment une version de travail. C'est une manière pour nous de représenter finalement l'écosystème francilien euh, des acteurs dans le domaine de l'adaptation, avec des euh, entre guillemets des bénéficiaires, c'est-à-dire des collectivités, des gestionnaires de réseaux qui vont travailler sur des stratégies euh, d'adaptation. Et puis vous avez des acteurs ressources qui vont produire de la donnée, des études, qui vont pouvoir les nourrir pour euh, élaborer leurs stratégies d'adaptation. Et typiquement, euh, bah, la île de france à travers le PRAC euh, porte euh, voilà, des, euh, des éléments de réponse. Euh, la Dan Ile-de-France au travers de l'AMI euh, sur TACT également. Euh, Nous-mêmes, Institut Paris Région, avec les études et les cartographies, on, on a vocation à donner des. Des, euh, des outils d'aide à la décision. Et puis, vous avez également le monde de la recherche, et notamment le grec francilien qui a été euh, créé il y a un peu plus euh, d'un an et demi. Euh, et puis, euh, puis vous-même, euh, les agences locales de l'énergie qui accompagnent euh, les collectivités, euh, notamment dans le cadre des, des plans climat, où vous, êtes, vous faites vraiment ce, ce, ce lien par rapport aux, aux enjeux énergie-climat. Et l'agence parisienne du climat pourra euh, voilà, témoigner de son action euh, en ce domaine. Euh, juste un mot pour dire que euh, notre homologue en Auvergne-Rhône-Alpes a développé l'outil qui s'appelle le Climat Story, euh, qui est vraiment un outil d'animation intéressant pour euh, animer des ateliers et aider à co-construire des solutions d'adaptation au changement climatique. Euh, ça, vous pouvez être formé euh, à cet outil, ça peut vous aider dans le cadre des, euh, des, des démarches d'accompagnement que vous proposez auprès des collectivités. Nous-mêmes, à l'Institut, nous avons été formés, et notamment ma, ma collègue Gabrielle de l'ARB. Donc, on a, on a expérimenté également cette, euh, cet outil qui est vraiment euh, intéressant en termes d'animation. Euh, et puis, oui, j'arrive sur la fin. Euh, J'espère que je n'ai pas été trop longue. Juste vous rappeler quelques ressources et actualités. Euh, le centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique au niveau national, c'est déjà une première étape, une première brique pour ne pas louper des études, des ressources, des cartographies. Et puis quelques cartographies qui ont été développées par euh, l'Institut Paris Région, donc euh, notamment sur euh, la, chaleur, la chaleur urbaine, la question des îlots de chaleur urbain. Les, euh, les zones d'inondation euh, potentielles et puis euh, une cartographie qui vous, vous donne à voir euh, quelles sont les zones particulièrement intéressantes à, à, à renaturer ou pourront faire l'objet d'opérations de, de renaturation. Euh, vous dire également que le 30 novembre, nous organisons une rencontre sur les plans climat en ile de france avec une matinée, conférence et table ronde et euh, des après -midi, une après-midi avec des ateliers thématiques dont un euh, est spécifique à l'adaptation, donc euh, on vous y attend. Et euh, pour vous dire qu'on est une petite cellule à l'Institut euh, qui porte ces sujets, qui euh, avons travaillé sur cette étude régionale notamment, donc euh, Erwan Cordeau, euh, vraiment spécialiste aussi de la question des îlots de chaleur urbains et, 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 et tous les enseignements associés. Et puis euh, Gabriel Huard sur la partie écosystème, biodiversité et solutions fondées sur la nature. Voilà, j'en ai fini. Merci à vous et à votre disposition en espérant pouvoir vous répondre aux vos questions. Merci beaucoup Sandra. Euh, il y a eu une réflexion, euh, enfin plus euh, de James Cleaver euh, par rapport, euh, il était étonné sur les, les statistiques sur les inondations. Euh, par ruissellement, mais en fait Mathieu de Perrois de, du PNR a répondu euh, à, à en fait que non, il y a bien évidemment euh, des ruissellements en Ile-de-France, euh, dans les villages du Gâtinais et pas seulement dans le Gâtinais d'ailleurs, un peu partout, donc euh, on constate ce, ce genre de choses notamment en milieu euh, euh, comment dire euh, à, rural, notamment. Euh, Est-ce que vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'oral Oui, Justine, Justine, oui. vous vouliez poser une question, oui, bien Moi, sûr. J'avais deux questions. Une première, c'était sur, enfin, sur les solutions transformationnelles. Mais peut-être que du coup, Daniel, tu pourras, tu pourras détailler. Je me demandais, en fait, au niveau de la région, quelles étaient les, les solutions d'adaptation transformationnelle qui étaient prévues. Est-ce qu'il y a des choses... Enfin, voilà, qui sont anticipées en termes aussi de répartition, euh, bah, on va dire euh, des instances, par exemple, de pouvoir, etc. Euh, on sait que comme il euh, y a beaucoup d'activités économiques qui sont concentrées euh, à Paris, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte, euh, par exemple, dans le Prac Et comment vous vous articulez avec les autres acteurs, euh, bah, notamment l'État, pour euh, prendre en compte ces enjeux-là et ma deuxième question, donc je ne sais pas si c'est Sandra ou Daniel, pardon. Et ma deuxième question, c'était sur la temporalité. Est-ce que euh, l'étude euh, que vous avez fait anticipe un peu à quelles échelles de temps on doit mettre en œuvre les actions Enfin euh, voilà, c'est mes deux questions. Peut-être... Je ne sais pas, Sandra, tu veux répondre. Et puis ensuite, peut-être que je, je passerai la parole à Daniel, qui pourra oui. enchaîner du coup sur le, sur le PRAC. Alors, euh, c'est vrai que sur l'étude régionale, on était plutôt sur euh, la connaissance qu'on pouvait déjà rassembler, sur les observations qui ont été faites euh, dans le passé, et peut-être moins sur euh, la typologie des solutions à déployer, et, euh, et euh, effectivement à différentes éch échelles de temps. Mais. Euh, par exemple, pour, pour le monde forestier, on voit qu'on est sur des temporalités qui sont, qui sont assez longues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'ONF va mener des opérations de, en travaillant sur différentes essences forestières, etc. Mais c'est aussi un pari de savoir est-ce que dans 10, 20 ou 30 ans, elles seront, elles seront comment dire? Euh, adapté au climat futur. C'est aussi de s'adapter à un climat qu'on ne connaît pas encore forcément aujourd'hui. Et donc là, on est sur des temporalités qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont euh, assez, euh, assez longues, mais. Ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, sur la, quand on parle de solutions euh, d'adaptation incrémentale, euh, typiquement de mettre en place un plan un planicule, être sur des actions euh, un peu de réaction, etc. On est, on est beaucoup sur des, des phases de, euh, de court terme, mais aujourd'hui, on commence à préparer euh, des actions qui ont vocation à s'échelonner sur euh, vraiment sur 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 du long terme en fait. Euh, pour donner un autre exemple, euh, pour que ce soit un peu plus euh, parlant, vous avez euh, par exemple le cas euh, de la barrière de la Tamise, qui est une grosse infrastructure qui a été euh, montée euh, il y a au début des années 80 pour faire face aux, aux, aux inondations de la Tamise et aux marées, aux marées hautes. Et aujourd'hui, il se retrouve face à un besoin de, comment dire, de, de, de comment dire, de rénover cette infrastructure, etc. Et donc, c'est de se dire, bah, quels sont déjà les travaux et les opérations que l'on peut mettre en, en place déjà à un court terme Donc, est-ce que qu'on on, euh, euh, on, on, rehausse des digues qui sont euh, voilà en amont Est-ce qu'on travaille sur euh, des zones d'inondation, et, etc. Euh, jusqu'à, pour, pour permettre de voir aussi comment le climat va, va évoluer, jusqu'à se dire, eh bien, il faut euh, réinvestir et renouveler effectivement euh, cette, cette infrastructure et être sur des travaux euh, plus lourds. Donc il y a aussi cette idée de comment gérer les temporalités, comment mettre en place des actions euh, déjà sur du court terme euh, pour euh, parer justement à ce risque, mais préparer aussi sur des actions qu'on devra déployer sur dix euh, ans euh, pour, euh, bah, pour se dire bah, effectivement euh, il faut qu'on qu on revoit le, 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 nos actions être sur de nouvelles infrastructures, c'est un peu aussi comment gérer, et pas tout de suite enclencher des travaux lourds, mais se dire, bah, on se laisse le temps de comprendre aussi comment le, le climat va évoluer, et comment on peut mettre en place des actions qui permettent de temporiser, avant de se dire, bah, effectivement il faut enclencher la mise en place d'une nouvelle, nouvelle infrastructure et être sur des travaux lourds. Donc on est un peu sur les deux, sur les deux à la fois. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est un, un peu cette idée Là. Et d'où toute la complexité de l'adaptation, c'est que tu, tu fais, c'est pas que tu fais des paris, mais tu gères dans l'incertitude tu, et tu dois être en, en permanence sur des ajustements et à re-questionner euh, à différentes temporalités. Et c'est pour ça qu'on parle de, euh, pas de méthode, méthode agile, mais ça re-questionne aussi la manière dont on, dont on prend des décisions aujourd'hui. Euh, ça réinterroge nos planifications, ça mmh. réinterroge notre capacité à dire ah, non, là, faut qu'on faut qu'on revoie les choses, faut qu'on accepte que bah là, on n'est peut-être pas sur la bonne trajectoire. Il faut qu'on qu qu'on qu revoit les chemins, c'est aussi on va travailler sur des chemins d'adaptation et à chaque fois on doit s'interroger sur ces euh, euh, ajustements et, euh, et quelque part c'est ce que fait aussi au niveau national euh, le ministère puisque jusqu'à présent on a réfléchi à une trajectoire plus de degrés et aujourd'hui on dit bah c'est peut-être pas suffisant on a besoin d'un autre repère qui est une trajectoire à, à plus 4 degrés en France mais qui correspond à un scénario intermédiaire au niveau mondial donc on est vraiment sur ces euh, sur ces, euh, sur ces hum, sur ces réflexions, ces ajustements, ces, ces, ces pratiques qu'on doit qu'on re-questionner. Merci beaucoup, Sandra. Peut-être je vais passer la parole à, à Daniel parce que de, de manière à ce qu'on puisse respecter le, le temps de parole de, de chacun. Euh, ah, S'il n'y a pas d'autres questions, mais il y a toujours le moyen de s'exprimer de toute façon euh, sur le chat. La, la parole est à toi, Daniel. Merci euh, beaucoup, Sandra. Je vais essayer d'intégrer ma réponse euh, à la présentation. Mais merci, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup Hélène euh, donc Moi, je vais vous présenter aujourd'hui les travaux d'élaboration d'un plan régional d'adaptation au changement climatique qu'on a adopté en septembre 2022, qui est issu d'un an de travail sur la base du diagnostic de vulnérabilité que, que Sandra vous a présenté, et ensuite euh, d'échanges avec... Euh, avec les acteurs, les acteurs du terrain pour, pour un certain nombre d'actions qui se focalisent sur l'ensemble des impacts et donc l'ensemble des leviers qui peut y avoir qui peuvent toucher l'île de France en matière d'impact du changement climatique, donc à la fois des enjeux de, de santé et de, et de lutte contre les allergies, des enjeux sur l'aménagement, des enjeux sur le, les transports, le développement de solutions fondées sur la nature des enjeux de, de gestion de l'eau, euh, de préservation de, de la forêt et des, des milieux agricoles, euh, l'adaptation des entreprises, euh, et puis aussi un, un certain nombre d'actions transversales qui ont vocation à euh, bah, favoriser la prise en compte de l'adaptation euh, bah, au, enfin, au niveau régional et au niveau local. Donc Ce plan il se concrétise par, euh, par 61 actions. Euh, qui sont en gros de plusieurs types. Euh, donc, premièrement, on a une batterie d'appels à projets dans lequel euh, que je vais vous présenter ensuite euh, à destination des collectivités territoriales, à destination des entreprises, à destination des particuliers euh, ou de, des agriculteurs pour, euh, pour le développement de solutions d'adaptation au changement climatique. Euh, on a ensuite des études, euh, donc des études nouvelles pour euh, pour perfectionner la connaissance sur les impacts du changement climatique, notamment par exemple sur le système de transport. Connaître un petit peu les les bah, les, les nœuds ou les, les enfin, quelle est le, la, la vulnérabilité du système de transport francilien euh, au changement climatique. Euh, Ensuite, ce sont bah, des, des nouvelles actions et des nouveaux leviers d'action que, que la région a mis en place. Euh, on a parlé de, des impacts du changement climatique sur la forêt. C'est par exemple euh, la création récente d'un fonds euh, participatif pour, euh, pour euh, faciliter l'adaptation des forêts au changement climatique. Ou euh, on a parlé aussi euh, enjeu de santé et donc le, du le développement des allergies. Euh, et donc, c'est la, la mise en place, par exemple, d'un réseau de capteurs euh, pour connaître euh, en temps réel l'état le, le, euh, des plantes allergènes euh, en Ile-de-France et puis prévenir les personnes, euh, les personnes allergiques euh, pour anticiper les traitements. Donc, là, pour répondre un petit peu à la question de Justine, on est plutôt sur des actions, on va dire, opérationnelles. L'enjeu, c'est de, de mobiliser bah, les moyens du, du Conseil régional et des partenaires. Euh, pour pour le développement de de solutions de solutions d'adaptation euh, là où on va plutôt trouver donc on va dire de de l'adaptation transformationnelle ou, ou, ou plus systémique ça sera ça peut-être plus dans le drift donc le schéma d'aménagement régional de l'île de France, dont une première version a été adoptée en juillet 2023, euh, où là, du coup, l'idée, c'est aussi d'avoir bah, des orientations réglementaires qui ensuite doivent être traduites dans, dans les documents locaux euh, d'urbanisme euh, bah, pour, euh, bah, pour la protection et la restauration de, des zones humides, pour la renaturation en ville, euh, pour, euh, pour, les, pour protéger les zones d'expansion de crue, etc. Donc, si on Plutôt adaptation euh, transformationnelle, c'est plutôt dans le, dans le schéma d'aménagement qu'on qu pourrait le trouver. Euh, donc voici pour un peu les actions du SDRIF. Ce que je propose maintenant, c'est de, de, de vous présenter un petit peu bah, le, les, les appels à projets qu'on peut avoir à destination de, des collectivités, euh, des entreprises, des agriculteurs, des citoyens euh, pour les projets, parce qu'on a, a une grosse enveloppe pour, pour, pour développer des projets opérationnels. Euh, à commencer par un dispositif pour, pour euh, bah, créer des îlots de fraîcheur et de toiture euh, de végétaliser en ville. Euh, donc euh, l'idée c'est de, bah, de désimperméabiliser, de végétaliser euh, notamment des cours d'école. on fait beaucoup euh, bah, un petit peu sur le modèle des, des cours oasis dont vous avez sûrement entendu parler. Euh, et donc par exemple, euh, on peut l'illustrer avec euh, un projet euh, qu'on a financé à, à Palais eaux où l'idée bah, voilà, c''est de, de débitumer euh, la cour d'école, euh, renaturer, euh, mettre en place une gestion des, des eaux pluviales, la parcelle, euh, enfin, ce, tout un tas de, de solutions pour euh, pour euh, rafraîchir, rafraîchir les écoles. Euh, deuxième exemple de, de projet que je vous ai mis en place. Euh, c'est l'aménagement euh, d'une place euh, à travail euh, dans les zones euh, où il y a eu euh, plantation d'arbres, euh, création de bains de fontaines, euh, création de, de prairies fleuries. Euh, deuxième appel à projet qu'on peut avoir, c'est plutôt sur les enjeux d'eau et de milieux aquatiques. Pour financer des projets de, qui permettent la renaturation de berges ou de milieux aquatiques euh, ou de maîtrise des ruissellement par des imperméabilisations. Donc, là, on, là on, sur le premier appel à projet, on était plutôt sur les enjeux de, de chaleur en ville. Là, on sera, on sera plutôt sur les enjeux de gestion des inondations, mais aussi euh, euh, quelque, part, euh, quelque part la chaleur, chaleur en ville. Euh, et donc, exemple de projet. Euh, que je vous ai mis, c'est la restauration, euh, restauration de l'île de Douvres à, à Torcy, euh, où il y a eu, euh, pareil, euh, création de, création de 4000 m2 de zones humides. Euh, un autre projet qu'on qu qu présente souvent, c'est celui de la réouverture de la Bièvre euh, dans, le, dans le 94. Euh, donc voilà, on, on peut soutenir un ensemble de, de projets comme ça pour restaurer les milieux aquatiques. On a ensuite une, une, un ensemble d'appels à projets qui partent plus sur l'adaptation des écosystèmes et de la biodiversité euh, face aux enjeux au du changement climatique. Euh, donc pour, de toute façon, dans la présentation, je vous ai mis tous les liens je ne vais peut-être pas rentrer dans chacun d'eux. Euh, mais par exemple, on a des appels à projets pour accompagner les créations de mares, l'implantation de haies, euh, la restauration de, de continuité écologique euh, ou la, les, la protection de, de petits patrimoines naturels en Ile-de-France. Euh, ensuite, on a un ensemble de, de dispositifs qui portent plutôt donc, sur la question de, de l'eau, euh, donc euh, ce qu'on peut appeler des, des, enfin, voilà, des, des solutions bleues. Euh, donc, un premier appel à projet sur euh, l'installation de bains de fontaines dans l'espace public pour qu'en bah, cas de canicule, les, les Franciliens aient accès à des euh, à, à des fontaines rafraîchissantes euh, et ne survivent pas sur des bouteilles d'eau en plastique. Euh, donc ça c'est un, un premier appel à projet à destination des collectivités euh, et un deuxième appel à projet qu'on a, lui, est à destination des citoyens, donc des particuliers, pour installer des récupérateurs d'eau pluviale euh, qu'on peut financer jusqu'à euh, 20 000 euros. Euh, L'enjeu le, du PRAC, c'est aussi de, de s'appuyer sur, sur les partenaires de, ben les partenaires de, le, de la région, euh, et donc notamment Île-de-France Nature, donc anciennement, euh, anciennement Agence des espaces sphères, l'AEV, euh, qui, a, qui, a euh, qui a par exemple ouvert un appel à manifestation d'intérêt sur le retour de la nature en ville. Et donc l'idée, c'était vraiment d'accompagner de, 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 des collectivités territoriales sur la construction de leurs projets, euh, pour, euh, pour, pour développer un projet de renaturation en ville, donc euh, accompagner toute la phase, phase d'étude. Euh, donc ça, c'est en amont et ensuite, euh, l'action de l'île de France Nature, elle se fait aussi à travers le plan vert, euh, donc, euh, dont la gestion a été déléguée à l'île de France Nature pour euh, réduire la carence en espaces verts, euh, ouvrir, euh, ouvrir ou, des, des nouveaux espaces verts ou euh, les étendre. Euh, on a enfin donc, un ensemble d'appels à projets sur. Euh, sur enfin, euh, d'autres appels à projets, mais sur lesquels je ne vais encore une fois pas m'étendre. Euh, C'est par, par exemple sur le développement de réseaux de froid. Euh, donc pour éviter, que, pour éviter le développement de la climatisation de manière massive, on peut financer des réseaux de froid. donc Ça a été notamment le cas d'un projet à Boulogne ou à, à Levallois. Euh, donc, ça, c'est aussi des choses qu'on peut financer. Euh, on peut financer aussi des, des projets plus locaux, plus localisés à, à travers euh, le budget participatif euh, écologique. Je euh, n'ai pas, pas mentionné, mais il y a aussi un appel à manifestation d'intérêt qu qui est conduit euh, par, par l'ADEME et dont euh, la région, l'Institut Paris Région, est l'Agence parisienne du climat sommes partenaires, qui est la MITACT, euh, qui vise euh, donc la destination des collectivités et qui vise à accompagner des collectivités de construire une stratégie d'adaptation au changement climatique de A à Z, donc vraiment de la partie diagnostic, euh, ensuite la partie construction, euh, construction de, du plan et euh, mise, en œuvre du, euh, mise en œuvre du plan. Euh, donc voilà, tout ça pour, pour montrer que, que le plan régional, il est très, très vaste et la vocation à agir sur l'ensemble des leviers de, des impacts du changement climatique. Euh, donc il y a tout un ensemble d'appels à projets qu'il ne faut pas hésiter à, à relayer, à diffuser à tous les, tous les partenaires que vous pouvez avoir. On vous a mis donc, dans, la, dans la slide qui sera diffusée l'ensemble des, des modalités de, de réponse, l'ensemble des modalités de soutien, les sites web, les contacts, etc., euh, N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais, euh, si jamais vous avez plus de questions. Merci beaucoup, euh, Daniel. Il euh, y a des réactions et des questions. En fait, euh, peux-tu donner la définition de l'abri climatique Alors abri climatique, l'idée c'est euh, ça recoupe euh, l'ensemble des, bah, des endroits que enfin des endroits de fraîcheur que où les Franciliens pourraient avoir accès. Euh, pour euh, en cas de canicule, donc bah, on pense surtout, euh, surtout à des solutions vertes, donc euh, bah, des, des parcs, des, des îles de loisirs de la région, euh, des espaces verts, euh, euh, mais aussi on peut penser euh, à des piscines, euh, des, enfin les piscines, bah, les, les mairies, euh, les cinémas. Enfin, l'idée c'est de, de, en gros, de construire un réseau d'abris climatiques pour quand on va... En cas, de, en cas de canicule. Euh, L'idée, c'est aussi de pouvoir, euh, de pouvoir proposer une cartographie donc, sur laquelle euh, on est en train de travailler avec euh, l'Institut Paris-Région pour que les Franciliens voilà, aient rapidement accès à l'information de savoir où sont, euh, où sont les abris climatiques où on peut se réfugier en cas de, de canicule. Merci beaucoup, Daniel. Il y a effectivement aussi euh, tout ce qui est halles, puisqu'il y a des, des grandes halles couvertes euh, qui peuvent servir d'abri. Hein, euh, Climatique. Enfin, il y a aussi euh, pas mal d'endroits, notamment dans, dans certaines communes euh, plus euh, excentrées euh, en Ile-de-France, qui ont des, effectivement des, des halles en pierre. Enfin, tous ces abris-là peuvent être concernés. Euh, oui, il y a Justine qui a, qui a réagi par rapport aux récupérateurs d'eau. Les, copropri les copropriétés pardon, ne sont pas concernées par cette aide, semble-t-il. Est-ce que ces euh... aides pourront évoluer dans leur modalité alors, on et a, alors la récupération d'eau, elle, elle est permise sur les bâtiments publics dans le cadre de la stratégie eau que je vous ai détaillée. Euh, sur, les, sur les copropriétés, je ne sais pas du coup si, euh, si, si les copropriétés sont éligibles euh, au dit appel à projet. Pas, euh, bah, mais je peux, je peux vérifier et te faire une réponse. Oui, donc euh, ce sera pour Justine. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Daniel. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous souhaitez poser directement à l'oral Vous avez été tous très clairs, semble-t-il. Euh, je vais peut-être passer la parole à, à Justine qui va nous parler d'Adaptaville. Oui, pardon, désolée. Euh, oui, exactement. Et juste par rapport à ma question, euh, si je peux préciser un peu, c'était... On avait envoyé une question justement et ce n'était pas. Euh, je crois que c'était pas, con... enfin les copro n'étaient pas concernés, mais en fait je me demandais si, euh, si les aides régionales ont vocation un peu à évoluer avec le temps pour que justement dans le travail euh, des conseillers dans les alec y ait on va dire de plus en plus euh, d'actions d'adaptation dans ce style qui soit potentiellement euh, permises grâce au financement de la région quoi. et je me demandais en fait si les aides elles allaient un peu, enfin, elle pouvait éventuellement euh, changer si jamais en tant qu'ALEC on remonte des besoins. Euh, enfin, voilà, c'était un peu ma question sur l'évolution de ces dettes. Euh, ouais, ouais, ben bah je en du coup j'ai un doute sur sur l'éligibilité des des copros oui. sur euh, sur la récupération d'eau. Euh, mais oui, après si enfin en fait la question c'est si c'est s'il y a un besoin on peut on peut étudier la, les modalités. Enfin est-ce que est-ce qu'on peut faire euh, évoluer nos dispositifs. Donc euh, si jamais ben, vous avez des des retours de, de terrain ou enfin il voilà, y, y a un besoin qui émerge euh, oui, tout à fait à, à, à l'écoute pour voir si on peut faire évoluer nos appels à projets. Euh, après, bah, la question, c'est toujours aussi de, bah, de l'articuler avec euh, d'autres dispositifs qui peuvent, mmh. euh, qui peuvent exister pour, euh, bah, pour pouvoir accompagner au mieux les projets. Ok, ça marche. Merci. Euh, du coup, je vais, je vais reprendre la main sur euh, la présentation d'Adaptaville et je vais juste vous demander si vous voyez bien mon écran. Oui, et tout à fait. C'est bon. OK. Euh, voilà. Alors, bah, je j'ai quelques minutes pour vous parler un peu de comment l'APC, l'Agence parisienne du climat, qui est l'ALEC de Paris, traite le sujet de l'adaptation. Et du coup, bah, je voulais fin, vous parler du projet euh, Adaptaville et de aussi un peu du rôle que vous pourriez avoir euh, sur ce projet-là. Donc déjà juste pour vous remettre un petit peu en tête sur la genèse de nos travaux sur l'adaptation, en fait, bah je pense comme beaucoup d'entre vous, on a travaillé avec la ville de Paris sur euh, sur la réalisation de son plan climat. Et donc euh, depuis 2015 déjà, il y a eu une stratégie d'adaptation à la ville de Paris. Donc c'est un sujet qui, enfin, qui a été pris en compte assez tôt. Et ensuite donc dans le nouveau plan climat de 2018, il y avait aussi tout un, il y avait pas mal d'actions du coup d'adaptation qui étaient intégrées directement. Euh, au plan climat, ce qui fait que on avait un peu aussi euh, bah, des moyens d'accompagner. Enfin, euh, il y avait des demandes en fait de la ville euh, d'accompagner sur ce sujet-là. Enfin, dans les années aussi euh, 2018, je crois, un peu avant, on a travaillé à, sur un projet de recherche avec euh, Météo France et enfin d'autres partenaires. Euh, L'idée c'était d'instrumenter un projet de transformation de parking. Euh, c'était en fait c'était un parking qui a été transformé, végétalisé avec des matériaux plus clairs etc. Et euh, on a la chance d'avoir un partenariat avec météo France. Et grâce à ce partenariat, on a pu un peu instrumenter les résultats de la transformation de cet aménagement. Et en fait, sur l'adaptation, c'est assez rare les projets qui sont vraiment instrumentés avec des sondes. Enfin, avant, après, c'est très rare d'avoir des chiffres. Et du coup, ça, c'était un bon moyen aussi pour nous de nous acculturer à ce sujet-là, d'être un peu partie prenante dans des projets de, de recherche un peu plus. Et puis après, on a commencé à proposer nos propres travaux en 2020. On a fait un atelier de prospective avec les ABF et, et des directions de la ville de Paris sur euh, comment imaginer, on va dire, les les immeubles euh, en 2050. C'était euh, assez intéressant parce qu'à Paris, il y a vraiment un enjeu de conciliation euh, euh, du patrimoine, enfin, comment conserver le patrimoine bâti euh, tout en l'adaptant, en fait. Euh, aux impacts du changement climatique. Et il, y a, il y a un gros sujet euh, bah avec les architectes des bâtiments de France. Enfin, il y a vraiment besoin encore d'initier un dialogue et de, enfin, de pouvoir euh, travailler ensemble sur ce sujet. Donc, c'était un peu la première pierre euh, à l'édifice. Et euh, ensuite, on a lancé Adaptaville en 2021. Et puis on continue, je vais y revenir, mais voilà. Et sur le sujet d'adaptation, on continue euh, à travailler sur d'autres projets en parallèle d'Adaptaville, euh, donc des projets de recherche. Par exemple, on était associé au projet Fresh Eco Pavers. Euh, là aussi, en fait, c'était en fait trouver des lieux d'implémentation pour installer des Pavés euh, à base de coquillages, euh, donc des pavés euh, qui sont drainants. Donc il y a tout en, toute une question en fait, sur les revêtements qu'on peut mettre euh, en voirie euh, euh, en ville. Et il y a un gros potentiel sur ce sujet-là. On a travaillé aussi sur euh, la contribution au plan local d'urbanisme, euh, donc en poussant un peu plus le sujet de l'adaptation aussi. Et euh, on fait partie aussi de groupes de travail. Ça permet aussi de nous acculturer à ce sujet, euh, notamment avec l'Observatoire de l'immobilier durable, euh, qui, par exemple, en ce moment, il travaille sur une étude euh, sur les trajectoires économiques euh, euh, qui sont liées à l'implémentation des, des solutions d'adaptation sur le bâti. On travaille aussi sur euh, le schéma régional, euh, enfin sur le SRCAE. Je n'ai plus toutes les lettres en tête. Euh, et ensuite, on, on a travaillé sur d'autres projets un peu plus à l'échelle du quartier, sur des ateliers de diagnostic sensible en copropriété. En gros, essayer de travailler avec les copropriétaires. Pour voir euh, bah, pendant une canicule euh, qu'est-ce que eux mettaient en place, est-ce qu'il y avait des endroits dans la copropriété, dans la cour où ils allaient se réfugier, euh, est-ce qu'il y avait des besoins en particulier, euh, par exemple végétaliser une cour, etc. Est-ce qu'il y avait euh, potentiellement euh, la possibilité de mutualiser certains espaces euh, qui étaient euh, assez frais, etc. Et puis vous en avez sûrement entendu parler. On a aussi le projet Coproasis, euh, J'ai préparé quelques slides si jamais vous avez des questions à la fin. Euh, donc là, vraiment, c'est un projet qui a été lancé par la Ville de Paris, qu'on a commencé à... En fait, on est le guichet unique euh, pour coproasis euh, depuis cette année. Et l'idée, c'est euh, bah, la Ville de Paris qui propose des aides pour les copropriétés qui seraient non pas intéressées par un projet de rénovation, mais uniquement un projet de végétalisation, que ce soit en toiture, dans une cour ou en façade. En fait, ils ont mis euh, un budget pour euh, réaliser euh, bah, des, des études préalables, euh, inconditionnellement, euh, de, ensuite d'aide pour la réalisation des travaux. Donc, euh, c'est aussi une nouvelle casquette euh, qu'on a en tant que guichet unique. Et juste, euh, Hélène, tu peux me redire jusqu'à quelle heure j'ai, comme ça je ne vais pas dépasser. Oh bon, écoute, tu, tu peux aller jusqu'à 15h45, mais il n'y okay. a, pas, non, y a je, pas de problème. Va, hein. Même bon. si tu dépasses okay. de 5 minutes, il n'y a aucun souci. Euh, pourquoi Adaptaville Donc bah, on était parti des constats que vous avez aussi sûrement euh, identifiés, c'est qu'il bah, y a une accumulation, comme euh, l'a dit Sandra tout à l'heure, des vulnérabilités dans les villes. Et il y a des émer... enfin des stratégies d'adaptation euh, qui sont assez récente. Enfin, pareil, Sandra, t'en as parlé aussi dans les PCAET, Finalement, c'est pas quelque chose qui est vraiment hyper euh, développé. Et pourtant, en fait, il y a plein de collectivités qui font de l'adaptation sans le savoir. Donc, euh, l'idée d'Adaptaville, c'était d'identifier ces bonnes pratiques, euh, de les répertorier, enfin, de faire un peu un catalogue pour euh, partager en fait euh, ce qui se faisait sur le territoire parce que même à Paris en fait d'un arrondissement à l'autre parfois on ne sait pas ce qui se fait et on s'est dit bah, que dans la métropole il euh, y avait cette même problématique donc en fait c'est vraiment un projet qu'on a lancé aussi avec la métropole mais qui vise à à identifier euh, toutes ces solutions pour faciliter la réplication euh, des solutions. On se dit que ça peut être enfin euh, voilà un, un levier aussi pour euh, pour aller un peu plus vite euh, sur la mise en œuvre des actions d'adaptation. Et donc euh, Adaptaville enfin un projet qu'on a pensé en deux piliers différents. Il y a un site internet, c'est, on va dire, le premier pilier. L'idée, c'est de mettre en fait toutes les ressources qu'on a, euh, enfin, sur lesquelles on travaille, qu'on publie, les événements. Euh, sur ce site qui est ouvert à tous euh, enfin, voilà, y a, et qui est assez euh, intuitif et euh, où en fait il y a beaucoup aussi de, de fiches solutions. Il euh, y a des articles euh, également, on fait des newsletters et on va mettre en ligne aussi euh, bah, des liens vers les aides financières euh, locales. Et puis le deuxième pilier, c'est euh, l'animation d'une communauté. Et ça, on, quand, on a fait une enquête aussi l'année dernière. Et il euh, y avait vraiment euh, ce besoin qui est ressorti c'était, euh, bah oui, bah, on veut aller sur le terrain, on veut euh, échanger avec euh, les autres collectivités, etc. Donc on essaye vraiment de créer cette communauté euh, adaptable. Euh, via plein d'événements, donc des visites de sites, euh, des ateliers, des webinaires et les rencontres annuelles euh, dont je vais parler à la fin, mais qui auront lieu le 27 euh, euh, novembre et qui est un peu l'événement euh, phare, euh, enfin le gros événement euh, d'AdaptaVille euh, chaque année. Ça s'adresse, euh, ce projet-là, essentiellement aux professionnels, c'est... Enfin, J'insiste un peu dessus parce que du coup, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de toucher les collectivités. Alors, je pense que ça peut être utile aussi bien pour les chargés de mission de développement durable que si on veut sensibiliser un élu euh, en lui montrant euh, bah, ce qui a été fait ailleurs. Si... Et je trouve aussi que c'est intéressant bah, pour des services, euh, bah, par exemple, les services de la voirie qui peuvent être concernés par ce sujet-là et qui ne savent pas trop. Euh, Comment aborder enfin, en fait, euh, par exemple, on a un, un atelier euh, qui va être le, fin, dans 10 jours là, le 26 octobre, sur qu'est-ce qu'on met en place euh, pour lutter contre la surchauffe dans les écoles euh, très rapidement. Donc euh, clairement, euh, ça va être là pas du tout. C'est plutôt des solutions d'adaptation euh, euh, incrémentales, donc très rapides. On agit un peu dans l'urgence, mais en gros, notre euh, light notice c'était de se dire bah, il y a un gros problème là, il y a eu une vague de chaleur énorme en septembre et ça pose des problèmes dans les classes. Bon, bah, qu -ce qu On qu'est-ce qu'on fait Et du coup, il y a beaucoup de personnes de la direction, de la construction et de l'architecture qui se sont inscrites. On va avoir un autre, un autre atelier sur les revêtements de voirie. Là aussi, l'idée c'était vraiment de viser les gens de la voirie et d en fait de se faire un peu rencontrer tout le monde, des gens qui ne parlent pas forcément ensemble naturellement. Donc les collectivités, les aménageurs, les bailleurs sociaux, il y a pas mal de bureaux d'études qui participent aussi, et euh, les promoteurs immobiliers, même s'ils si, enfin, ont aussi beaucoup de ressources en, en interne, et, mais voilà, c'est un peu toutes nos cibles. Nos partenaires, bah, la métropole du Grand Paris, je crois que Florent Doublé est là aussi, euh, nous accompagnent sur ce projet. On a aussi la ville de Paris qui nous a aidés euh, à développer le site, euh, l'ADEME Île-de-France, avec... Euh, euh, notamment un nouveau partenariat. En fait, c'est comme l'ADEME a lancé la plateforme Plus Fraîche Ma Ville. Euh, L'idée, c'est qu'Adapta Ville devienne le référent local de Plus Fraîche Ma Ville. Et puis ICAT, qui est un autre partenaire financier, mais vous voyez, il y a aussi plein euh, d'ALEC euh, qui nous ont rejoints et qui participent en tant que partenaire euh, expert euh, au comité de sélection des solutions qu'on va mettre en ligne. Et donc, je l'ai pas cité, mais le CEREMA, Météo France, l'OID et tout ça qui participent aussi à ce à ce comité de sélection. Pour euh, identifier les solutions, justement, c'était une grosse question. Euh, bah, est-ce que c'est nous qui faisons de la veille euh, tout seul Est-ce que euh, on va voir des experts, on leur demande lesquelles semblent les plus pertinentes, etc. On a essayé de faire un peu un compromis de tout ça. Donc en fait chaque année on lance un appel à candidature pour identifier euh, des nouvelles solutions. Donc bah cet appel à candidature c'est vrai qu'il faut qu'il soit relayé euh, pour qu'il y ait euh, bah, en fait des collectivités qui candidatent et on se rend compte que les collectivités elles font des choses mais euh, elles ne savent pas communiquer, donc il euh, y a un gros sujet euh, à aller les chercher, enfin, même vous. En fait, si vous identifiez des projets, euh, là, je vais vous en présenter quelques-uns, je suis sûre que vous avez entendu parler de, de projets qui se sont mis en œuvre sur vos territoires euh, et qui sont exactement dans les, dans les clous. Et en fait, euh, bah, l'idée, c'est qu'elles puissent euh, candidater ou que nous, on aille un peu les accompagner dans leur, euh, dans leur candidature. Et, euh, et ensuite, on, y a donc y a, par exemple, il y avait 50 candidats euh, cette année. On a sélectionné une trentaine de solutions, donc c'est beaucoup. Mais en fait, il y en a plein qui se recoupent. Euh, et on, on a un comité de sélection avec donc, tous les partenaires. Et ensuite, tout au long de l'année, euh, donc ça prend un peu de temps, mais on, on va interroger en fait, euh, bah, tout, les différentes parties prenantes et on met en ligne. Les euh, fiches solutions et on essaye vraiment de faire des choses euh, qui sont de plus en plus détaillées, opérationnelles, avec plusieurs retours d'expérience, euh, avec des, enfin voilà, qui soient le plus complète euh, possible pour que ce soit vraiment utile ensuite euh, quand on est dans la phase de mise en œuvre. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Hein. Euh, les critères de sélection, bah, en fait, on cherche des solutions qui ont déjà été mises en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop être dans l'innovation, euh, c'est-à-dire euh, la solution, euh, la nouvelle solution dont tout le monde parle, etc. C'est plutôt euh, des solutions qui ont au moins... Euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais on va dire deux, trois ans de retour euh, d'expérience. Ça peut paraître peu, mais en fait, comme... Euh, Enfin, sur le marché de, enfin par exemple, des, du mobilier urbain euh, euh, qui est fait pour euh, rafraîchir, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres. Il y a beaucoup de fournisseurs qui se lancent. Il y a des trucs qui sont vraiment pas terribles. Euh, il y a des, enfin, en fait, il faut vraiment faire le tri, mais il y a beaucoup d'offres et en fait, c'est un risque que je voulais souligner, c'est que pour les collectivités, ça peut être un peu attractif de voir. Euh, des solutions vraiment innovantes, etc. Mais en fait, il y a des solutions euh, peut-être moins clés en main, mais qui peuvent être mises en place facilement et qui sont tout aussi intéressantes. Euh, donc, enfin, et pour le coup, euh, c'est, ça peut être intéressant d'accompagner les collectivités sur ce type de solutions aussi. Enfin euh, voilà, parce que c'est un marché euh, qui, où il y a beaucoup de, enfin, d'innovation et c'est super, mais, euh, mais voilà, faut être, faut être un peu vigilant. Et, euh, et du coup, l'idée, c'était aussi de présenter des solutions qui ont un contact actif, euh, qui affichent les coûts pour, pour être le plus transparent possible sur ce qu'on présente. Donc, on a sélectionné une trentaine de lauréats en 2022 sur ces différentes thématiques, donc sur l'économie des ressources, donc la préservation de la ressource en eau, euh, par exemple, à travers... Euh, un, un lauréat qui s'appelle Robo. Et en fait, ça va être la mise en place de, de détecteurs de fuites d'eau à l'échelle euh, du réseau euh, secondaire, enfin dans le bâtiment, pour essayer d'identifier euh, les fuites. Et là, ils ont travaillé avec euh, la ville de Roubaix euh, sur ce type de projet. On a aussi interrogé la ville de Paris, enfin Haute-Paris, pardon, qui gèrent le réseau de distribution d'eau et qui euh, eux ont mis en place tout un, enfin, beaucoup de solutions, de capteurs acoustiques. Donc là ça va vraiment être à l'échelle d'un réseau de distribution. Il y a des, des solutions aussi sur les comportements, les usages, euh, par exemple, on a référencé euh, les différents hôtels, enfin euh, les hôtels de formation, enfin les des démonstrateurs grandeur nature euh, de solutions d'adaptation qui sont mis en œuvre. Il euh, y en a, il y en a quelques-uns sur la région et ça se développe de plus en plus, donc c'est aussi intéressant. Euh, et aussi, par exemple, on avait en, une collectivité qui a travaillé sur euh, l'adaptation euh, des horaires de travail, mais aussi des de l'habillement de ces agents, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont revu tout leur marché pour, euh, bah, avoir des tenues qui sont plus respirantes en cas de, de grosse chaleur euh, et voir aussi ce qui peut être possible avec les, les, enfin, la sécurité qu'il faut respecter. Les outils de diagnostic, euh, bah, du coup, Sandra a parlé des LCZ, enfin, euh, des, de, des locales climate zones etc. Il y a d'autres aussi, il y a d'autres euh, outils de diagnostic. Vous en avez aussi sûrement entendu parler. Euh, donc on a essayé un peu de faire une cartographie de ces différents outils et euh, on a aussi publié deux articles sur ce sujet euh, si jamais vous y intéressez. Et voilà après, bah, toiture vegetalisée, revêtement, projet de rafraîchissement etc. Euh, sur les slides vous pourrez aller voir euh, en détail et de toute façon c'est intégré sur le site au fur et à mesure. Et je voulais vous montrer euh, la plateforme. Je pense, au lieu de passer mes slides, ce sera plus simple, directement. Euh, alors, ça marche toujours Ok. Euh, du coup, le site, il se présente comme ça. Euh, vous pouvez en fait filtrer les solutions de trois manières. Soit via l'onglet aléa climatique, donc par exemple rechercher des solutions qui répondent à l'enjeu canicule, soit par l'onglet type d'action, donc par exemple si vous voulez des solutions plutôt sur le bâtiment, améliorer le confort thermique dans les bâtiments, et là vous avez des solutions qui sont liées à cet enjeu. Il y a une carte aussi. Euh, bah pareil là en fait c'est si jamais vous vous identifiez des solutions qui sont sur le site et il euh, y a une collectivité que vous connaissez qui l'a mis, mis en place, vous pouvez aussi nous le dire et on les rajoutera en tant que site pilote, ça prend vraiment pas longtemps. Euh, et du coup bah, l'idée c'est de voir un peu euh, où est-ce que les solutions étaient mises en œuvre sur le territoire. Et puis, il euh, bah, y a des actualités, donc on fait une newsletter, euh, on essaye de ne pas trop spammer, donc euh, ça va être une fois tous les deux mois la newsletter, et sinon c'est des invitations à des événements. Et on a un nouvel onglet euh, ressources, donc avec toutes les publications euh, qu'on fait qui sont intemporelles, on va dire, euh, et qui peuvent un peu vous, vous servir aussi. Euh, et donc il y a aussi euh, des événements. Alors bah, on essaye d'être le plus exhaustif possible, mais il euh, y a beaucoup de choses. Donc euh, sur euh, le sujet de l'adaptation, euh, qui sont dispo. Je vais repartager mes slides. Ah oui, et il y avait une question sur les aides financières. Euh, oui. Alors non, du coup l'échelle c'était euh, métropole du Grand métropole. Paris. Mais euh, aussi région, parce que bah, on est en contact avec Daniel euh, et d'autres services de la région pour, euh, pour valoriser les aides régionales. Donc, si vous voulez les voir, elles seront aussi euh, dispo. Et il y a aussi les aides de l'AESN, euh, l'agence de l'eau, euh, qui, qui seront référencées. Et euh, là, c'est à l'échelle du bassin versant. Donc, euh, ça concerne quand même euh, un gros territoire. Donc, euh, ça peut quand même être intéressant de jeter un petit coup d'œil euh, au cas où vous êtes concerné. Euh, et je vais repartager mes slides. Hop. Voilà. Et bon. bon. Oui, c'est bon. Après, pour la partie euh, événement. Il euh, y a du coup l'idée, donc c'était le deuxième pilier de, de faire de l'animation. Donc on a des visites de sites. Donc par exemple, on a une le 8 novembre euh, sur les rues aux écoles. Euh, on a beaucoup parlé des cours oasis et là maintenant, enfin euh, des cours d'école végétalisées. Et là maintenant, il y a aussi euh, clairement le sujet des rues à proximité des écoles, la piétonnisation, la végétalisation des rues qui ressort pas mal et du coup la ville de Paris a développé enfin euh, vise à euh, végétaliser une centaine de rues aux écoles et ils ont déjà euh, apaisé végétalisé euh, plus d'une 15... je vais pas dire de chiffres mais on va dire que ça se compte en peut-être 15 20 un peu plus je sais plus euh, et du coup voilà on va faire une visite euh, le 8 novembre on fait des ateliers, donc je vous ai parlé de l'atelier sur euh, la surchauffe dans les écoles. Euh, il y aura aussi un atelier donc, sur les revêtements, des webinaires et donc les rencontres annuelles qui se passent euh, au pavillon de l'Arsenal. Là, c'est en... une après-midi. Il y a deux heures de plénière avec euh, des prises de parole euh, d'experts, de collectivités pour euh, faire des retours d'expérience. Et il y a aussi euh, deux heures où en fait, il y a les... Il y a nos porteurs de solutions qui sont sur la plateforme, qui sont présents sur des stands. Il y aura un stand de la, de la MGP, euh, probablement de la région aussi. Euh, donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer un espace de rencontre avec des échanges très informels euh, sur, euh, sur cet événement. Hum... J'ai fait un petit throwback euh, 2023 de ce qui a été fait. On a visité par exemple une boucle de géothermie chaud-froid, bah, des cours d'école oasis. On a fait une balade à Gennevilliers sur des, des aménagements dans la ville euh, végétalisée, euh, une toiture végétalisée avec récupération des eaux pluviales, une visite d'une dalle. Enfin, euh, au-dessus d'un parking euh, souterrain en pied d'immeuble, qui avait été aussi euh, végétalisé lors de la euh, réflexion de l'étanchéité. Et on a fait plusieurs webinaires que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, euh, donc sur les peintures réfléch réfléchissantes en toiture, avec euh, des experts aussi là du Cerema, euh, des fournisseurs. vous avez un peu différents points de vue. Euh, un webinaire en partenariat avec la métropole du Grand Paris sur les vulnérabilités du territoire. Et euh, un webinaire euh, très complet sur les méthodes de diagnostic de la surchauffe urbaine. Concernant nos publications, je voulais vous... On a différentes publications. On a fait un lexique, enfin je vais cliquer dessus. Euh... Ah oui, là vous ne voyez pas. En fait, je vais partager mon écran. Ce sera plus simple. Pardon. Donc on a fait un guide sur les solutions d'ombrage en ville. Vous avez l'info en exclusivité euh, qui est sortie la semaine dernière. Donc en fait l'idée c'est d'expliquer euh, c'est quoi une solution d'ombrage, comment ça se finance, euh, euh, quelles sont les euh, recommandations euh, si on veut mettre en place ces, ce type de solution, euh, la réglementation qui s'applique à ce type de solution. On a fait des études de cas euh, qu'on a pu réaliser grâce euh, aux ateliers. Euh, voilà, et puis il y a un carnet un peu d'inspiration qui montre euh, différents types de solutions d'ombrage, donc ça fait partie des solutions grises qui étaient mentionnées par Sandra. Euh, on a aussi fait, euh, ça peut vous être utile, un lexique canicule euh, un peu appliqué au territoire. Donc, euh, qu'est-ce qu'une vague de chaleur euh, Qu'est-ce qu'un pic de chaleur euh, Qu'est-ce qu'une canicule Enfin, il... Enfin, une nuit tropicale, etc. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de très illustré euh, si vous voulez un peu sensibiliser, je sais pas, des élus ou, euh, ou même lors d'un webinaire euh, sur ces questions-là, que s'il y a plein de vocabulaire dont on ne maîtrise pas forcément tous les termes. Euh, et ensuite, euh, voilà, bah là, c'était les, les articles sur les, les diagnostics de la surchauffe urbaine. Euh, où enfin, les local climate zones sont aussi euh, référencés et euh, d'autres types de, de méthodes. Voilà, euh, et je reviens sur euh, PowerPoint. Euh, je voulais aussi parler des cafés climat. Euh, C'est des webinaires qu'on fait et du coup on publie des petites BD après. Euh, donc pareil, ça c'est des supports qui peuvent être utiles. Là c'était une BD sur euh, la climatisation. Euh, Est-ce que c'est une solution d'adaptation ou pas Vous avez la réponse. Euh, et en, donc là je vous ai remis un peu nos prochains événements. Il euh, y aura, aura peut-être un aussi sur les aides financières, euh, mais c'est à confirmer. Et euh, bah, les rencontres annuelles le 27, qui c'est vraiment l'événement. Euh, enfin, si vous voulez rencontrer des gens sur ce sujet, vous euh, vous informer, etc. Et dans bah, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire euh, par rapport à tout ça euh, bah, déjà vous inscrire à notre newsletter. Euh, comme j'ai dit, on essaye de pas trop spammer, mais où il y a les événements en fait qui sont euh, qui sont communiqués, il y a des articles, etc. Euh, n'hésitez pas à communiquer aussi ces événements à vos contacts, euh, bah, dans les collectivités ou même des bureaux d'études, des archives euh, qui peuvent être euh, intéressées. Euh, et puis bah, les, les rencontres qui sont un, un moment phare, je me répète un peu, mais. Et puis euh, la dernière chose, c'était, euh, n'hésitez pas si vous avez des retours d'expérience euh, que vous pensez intéressants euh, de valoriser. Euh, bah, ça peut être... Enfin euh, voilà, nous, on est preneurs de, de retours d'expérience, etc. Et, euh, et si vous avez des questions aussi sur certaines de nos publications. Voilà. Et j'ai oublié de montrer des solutions concrètes euh, sur le site, mais euh, on parlait bah, de de free cooling par exemple dans les immeubles on a fait une fiche aussi sur les peintures blanches etc et je vais du coup je vais vous montrer quand même un peu comment ce sont les fiches solutions bah, je vais reprendre celle là en gros on explique l'enjeu d'adaptation les points forts de la solution Ensuite, il euh, y a quelques photos, mais pas beaucoup parce que c'est un site éco-conçu. Donc, on décrit un peu la, la solution, enfin, euh, qu'est-ce que c'est et tout ça. On a des retours d'expérience. Euh, donc là, c'est dans un immeuble d'habitation de Paris Habitat. Euh, des retours utilisateurs, euh, c'est un peu est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas de l'opération, euh, etc., on a euh, les co-bénéfices parce que souvent, c'est des solutions qui apportent des co-bénéfices, que ce soit sur euh, bah, la biodiversité euh, ou l'emploi parfois, etc. Le coût, euh, les aides financières, donc ça, ça va être encore plus euh, développé. Les points d'attention, le contexte dans lequel on peut mettre en œuvre cette solution, euh, les points d'attention à avoir euh, si on veut la déployer. Et euh, on a des prestataires qui sont référencés. Donc en fait là, on a plusieurs entreprises euh, qui nous ont sollicité, qu'on a sélectionnées avec euh, avec euh, les partenaires, des pilotes. Donc c'est ce qui s'affiche sur la carte et des contacts euh, plutôt là les contacts, euh, on va dire les experts ou ceux qui mis en œuvre la solution. Donc l'idée c'est que ce soit vraiment autoportant. Donc si vous, enfin, si vous voulez contacter des, des personnes, n'hésitez pas à... Enfin vous avez leur email sur le site en fait. Voilà, et là c'est bon, j'ai fini. Désolée, j'ai un peu dépassé. Ce n'est pas grave du tout. Au contraire, c'était très intéressant. Et d'ailleurs en parlant des ombrages en ville, euh, moi j'ai pu tester à Toulouse les ombrages sur la place du Capitole. Ça fonctionne très très bien. Et c'est même, euh, en fait, c'est rafraîchissant. Hein. On sent vraiment la différence euh, avec des ombrages en toile. Hein. C'est mmh. assez intéressant euh, et, et c'est assez facile à mettre en œuvre. Enfin bon. C'est ce qu'ils ont fait cet été avec. Euh, c'était, euh, c'était cet été, c'est ça Oui, cet été. C'est les petits trucs dorés. Euh, ouais, bah ça c'est une oui. entreprise qui s'appelle Impact Plan. C'est une entreprise portugaise. Elle est d'ailleurs, elle est mentionnée dans le guide. Et euh, ils font beaucoup de choses euh, avec plein de villes, mais à la base, c'était pas... vraiment comment renforcer l'attractivité d'une rue commerçante. Euh... Et maintenant, bah, ils surfent aussi sur la vague euh, du rafraîchissement. Mais il oui. bah, bon, faut juste penser à comment sont réutilisées ces solutions et quels matériaux on utilise. Mais effectivement, ça a, enfin, ça a vraiment du potentiel. Ouais. Oui. Mm. Peut-être y a-t-il des, des, des questions Alors, j'en vois pas euh, dans le chat, euh, à part celle qu'on avait mentionnée. On dit que les présentations sont très complètes. Merci, Thomas. Je crois que tous les intervenants ont été très clairs. En tous les cas, sachez que vous, avez, vous pouvez retrouver, bien sûr... Euh, euh, toutes les présentations de nos intervenants euh, sur le site de l'ARED. Euh, Marie-Laure et moi, on tient vraiment à vous remercier parce que c'est l'exercice n'est pas facile de parler. Euh, en une heure et demie euh, d'adaptation changement climatique. Maintenant, on peut vous inviter à, à aller voir absolument euh, tout, tous les supports, mais aussi les sites euh, ressources hein, sur ces questions. Sachez que vous, vous avez aussi pas mal de choses qui sont répertoriées dans l'inventaire des outils pédagogiques euh, euh, qui sera disponible prochainement, euh, très certainement euh, à la fin de l'année. Euh, il y a pas mal de choses que, qui ont été identifiées, d'ailleurs citées par euh, Sandra. Hein, comme Climastory, euh, des outils qui sont référencés dans, dans cet inventaire euh, qu'on tient pour les collectivités euh, territoriales. Et d'ailleurs, il y a Adaptaville de, dedans. Merci beaucoup. Peut-être, Marie-Laure, tu souhaites euh, ajouter un, un mot de conclusion euh, ben Non, c'était parfait. <laughs> voilà, parfait. <laughs> il n'y a plus <laughs> qu'à. Je ne vais pas recommander ce que les experts disent quand même. <laughs> <laughs> il n'y a plus qu'à mettre toutes ces solutions euh, en œuvre enfin il y en a qui sont quand même simples non mais par comme contre là disiez... je pense que du coup on a on a trois présentations qui sont euh, qui vont être très utiles à tout le monde parce qu'on a oui. vraiment toute l'information là sur ce qu'on peut trouver euh, faire en Ile-de-France comprendre les enjeux euh, voilà, de, depuis, oui. euh, voilà depuis les enjeux jusqu'aux solutions et donc euh, enfin je dis, il y a plus qu'à parce que de toute façon euh, ça commence mais bon ça fait ça veut dire que le, les, 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 le sujet est bien pris en main. Voilà. Tout à fait. Donc, mesdames, messieurs, bravo. Et merci à tous. Et puis, euh, donc, à très bientôt pour un nouvel épisode des webinaires. <laughs> merci beaucoup. Au revoir. Merci, madame. Au revoir.